Bonjour, bonsoir à tous les téléspectateurs de TCTV. Nous voici encore dans notre tranche d'actualité musicale Together We Sing, présentée par Jody Masankan, Denis Boyebi. À chaque fois, je suis toujours là pour vous emmener des surprises, des musiciens au bazar sur le terrain, au bazar pour vous faire du bien. Aujourd'hui, j'ai encore un invité. Comme d'habitude, j'ai toujours des invités. Aujourd'hui, j'ai encore un invité. C'est le frère Luther. Le frère Luther King, Toyoka, qui est avec le frère Adias qui était là, il avait parlé du frère Luther, le frère Didi Faya qui était là, il avait parlé aussi du frère Luther. Aujourd'hui, le frère Luther est sur le plateau, donc Azao avec nous. Nous allons découvrir le frère Luther, ce qu'Azanani réellement. Pour Babeti Masolo Naemingi, aujourd'hui, nous voulons vraiment découvrir qui est le frère Luther. Bonjour, frère Luther. Comment vous allez? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Très bien, vraiment. Pouvez-vous saluer tous ceux qui vous suivent en ce moment? Ok, merci. Nous vous saluons, chers téléspectateurs de TCTV. Partout où vous nous suivez dans le monde entier, nous vous saluons au nom de Jésus. C'est le frère Luther, connu, appelé comme King. Les gens m'appellent King et tout. C'est un grand plaisir de vous savoir nombreux et de passer aujourd'hui. Ça a été un long moment qu'on n'a plus été dans la télé, aux médias et puis en train de parler, quoi que ce soit. Mais nous bénissons le Seigneur aujourd'hui quand même, on est là. Je vous salue, très heureux de vous savoir nombreux. Merci beaucoup frère Luther. Ndenge Boyoki, c'est le frère Luther. Il est là en tant que musicien, as un musicien chrétien. Yeah. Non, je suis chrétien musicien. Chrétien musicien. Vous allez nous expliquer pourquoi, mais dans quatre émissions. Okay. Ouais. Le frère Luther est là sur le plateau. En tout cas, tout ça, ça a trop sérieux. Hein? Un peu de tout se relaxer un peu pour parler vraiment, parce qu'on doit vous découvrir en profondeur. Okay. Frère Luther, nous voulons savoir qui est le frère Luther. Comme je le dis, je suis chrétien musicien. Mm. Je suis d'abord enfant de Dieu avant d'être musicien. Au fait, musicien, je suis musicien parce que la musique, c'est un art. La musique, c'est un art où nous développons les talents que Dieu nous a donnés. Les talents que Dieu nous a donnés, c'est un talent de chanteur. Dans la Bible, on ne connaît pas le musicien. Okay. La musique, c'est un art. Okay. Que les hommes ont donné la connotation de musique. Mm-hmm. Mais, pour Dieu, je suis un chanteur. Dans la Bible, on parlait des chants, on ne parlait pas des musiciens. Okay. C'est pourquoi j'ai dit je suis chrétien. La chrétienté, c'est ce qui définit le don de la musique. Parce que la musique, c'est juste un support qui nous permet d'exprimer le message et les talents que Dieu nous a donnés. Donc, je suis un serviteur de Dieu, je suis un enfant de Dieu. Yeah. Voilà. C'est ça, il est un serviteur de Dieu, il est un enfant de Dieu, il est un musicien. Aujourd'hui, on le reçoit en tant que musicien. Et frère Luther, comment est-ce que vous avez commencé la musique? Comment est-ce que vous avez commencé la musique? Vraiment, j'ai encore cette image-là, comme si c'était hier. Je compte maintenant, depuis 1994 jusqu'à aujourd'hui, ça fait combien? Déjà 22 ans. Oui, 22 ans. Plus grand que... Plus grand que vous, peut-être. Voilà. Je crois, ça fait 22 ans que je suis dans la musique. Mm-hmm. J'ai dit 22 ans par rapport au jour où je me suis tenu devant les gens et chanté. Ok. C'était le 24 novembre 1994. Très bonne mémoire. Mm-hmm. J'étais trop petit. Je ne dirais pas l'âge avant que les gens capturent mon âge. Voilà. Mm-hmm. Et... la musique, pour nous, c'est un don en famille. Comment est-ce que j'ai commencé la musique? C'était à la maison. Maman a acheté des instruments. Elle avait acheté une guitare. Elle a juste amené la guitare à la maison. Et mon grand frère David, il a commencé juste à essayer la guitare. Il a essayé. En fait, c'est un don. Je ne sais pas comment l'expliquer parce qu'on n'a pas eu un professeur. On n'a pas eu quelqu'un qui nous a dit que ça, c'est do. Ça, non, après des temps, on a appris à étudier la musique, mais au début, il n'y a personne qui nous a dit que ça c'était do, ça c'était ré, ça c'était quoi. Ça a commencé comme ça. Donc la musique, c'est nettement bon, mon famille. Donc, et ça vraiment est la famille. C'est presque tout le monde qui chante dans ma famille. Même s'ils ne chantent pas grave, mais quelqu'un, tout le monde sait quand même comment faire quelque chose. Donc si tu es entré dans la musique, c'est parce que tu t'es senti obligé de le faire pour me tenir sur ça l'année où on est musique. Non, ça a commencé avec moi et mon grand frère après que les autres viennent. Nous étions le plus jeunes. Mais les autres nous ont rejoints après.
Comment ça s'est passé? La guitare était là à la maison et on a commencé à jouer. Puis après, tellement que les dents étaient là et il y avait l'oreille musicale, tu peux comprendre que ça c'est do, ça c'est ré. Ça, c'est... Et là, on a déjà, dans à... HMK, tu pouvais comprendre que ça c'est do. Ça, tu ne savais pas que ça c'est do, mais tu pourrais savoir le son. Que ces dons, ces sons ici donnent une harmonie. Une harmonie. C'est une harmonie, harmonie tout court. Donc, ça, tu vois que ça, ça donne un son. Ça, ça donne un son. Ça, ça donne un son. Là, je parle de l'instrument. Mais when it comes to. Parlons français. Quand c'est. Pour la voix, c'était automatique. Le soir, on se rassemble tous en famille, on commence à chanter. Et c'était vraiment merveilleux parce qu'avec la grâce de Dieu, on pourrait se retrouver que celui-ci commence à chanter, il fait les sopranos. Tu te sens poussé de faire une voix comme ça. Tu ne sais pas c'est quelle voix, mais tu sens que cette voix-là donne de l'harmonie. Tu ne savais pas que c'était ça les ténors, tu ne savais pas que c'était ça l'alto, mais tu sens que je ne peux pas faire la même voix avec lui, je fais une autre voix. Et c'était moi, David, et notre frère, il est Mario. On lui appelle Mario, il n'est pas Mario du jeu, il est, son nom c'est Mario. Je ne sais pas qui avait pris mon père. Moi, mon vrai nom c'est Martin Luther King. Mon père avait des noms un peu bizarres. Et mon frère là était Mario. Et puis, c'était nous trois qui avons de voix similaires. Quand on chantait, c'était comme si une très bonne chorale là qui chantait. C'est alors que nos parents se sont décidés que nous commencions à répéter des chansons. Mon père était la première personne qui avait écrit des chansons pour nous. Il a écrit des chansons et on a commencé à chanter ces chansons. La première fois, c'était le 24 novembre 1994 que nous sommes tenus devant une église et chantés. Et c'était quelle chanson encore? C'était... Maniwa Banda, Maniwa Banda. C'était ça la chanson. On a chanté. Vous avez chanté pour mon Kessimbi. C'était terrible. Et à cette époque-là, la famille traversait des moments un peu difficiles. De l'argent qu'on avait trouvé ces jours-là était terrible. Vous voyez que des jeunes gens, mon grand frère à cette époque, je ne me rappelle pas, il avait quel âge? On était trop jeunes, des petits enfants là, qui se tiennent avec la guitare en train de chanter devant les gens. C'était terrible. Et les gens ne pourraient pas se contenir et il y a des gens qui venaient jeter de l'argent. Et pour nous, ce n'était pas l'argent. Pour nous, c'était le fait de voir. Et on était tellement court. C'est, what funny was that? On était tellement court. Les gens ne pourraient même pas nous voir. On était censé nous mettre sur une table. Dans l'église, on nous a placés sur la table. On s'est mis là avec des guitares en train de chanter. C'était très beau que les gens pleuraient quand on chantait. Et c'est par là qu'on s'est dit que non. Peut-être qu'il y a quelque chose en nous. Et par là, ça a commencé à évoluer comme ça. Et pour un début, comment c'était? Parce que tout le monde, début, ça a peut-être difficile. Parce que vous avez dit que vous étiez tout jeune. Peut-être que début, vous avez passé. Et le vôtre, vous allez en. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec mes frères. Je veux parler de moi, personnellement, parce que je n'étais pas en eux. Moi, comme ils disaient, il faut aller chanter. Non. J'ai pleuré. J'avais peur. J'avais peur de voir la foule. J'ai tremblé. Et Dieu est merveilleux. Parce que chaque fois que je veux me tenir devant les gens, si on prend seulement la guitare, on met sur moi. C'est comme si un esprit s'incarnait en moi. La peur va disparaître. Je vais chanter comme une grande personne. S'il faut faire des expressions scéniques, je veux le faire. C'était terrible. La guitare en moi me donnait une autre. Donc à cet âge-là, tu pouvais déjà jouer. Je jouais déjà la guitare. Je commençais à jouer la guitare 2 ans après que je commence à chanter. Ok. Et tu l'avais appris ou personne bien seulement appris. Dans le sang, comme la musique était dans le sang. Personne ne m'a appris la musique. Okay. Personne ne m'a appris. Waouh. C'est vraiment quelque chose de très bien. Et qu'est-ce qui vous a motivé à continuer? Parce que nous sommes pas bandaka, ils ont la musique dans le sang. Babandi, même, parce que nous la batika. Et qu'est-ce qui vous a motivé à continuer? Cette peur-là ne t'avait pas retenu, obitena continuer. Qu'est-ce qui t'a motivé vraiment à continuer? Jusque-là vraiment, je ne savais pas que j'avais une carrière musicale, j'étais petit. Je ne savais pas que je dois faire la musique. Et il s'est avéré que mon père a voyagé pour l'Angola et on était resté avec ma mère. Mais on était au niveau de Bakongo. J'ai commencé la musique au Bakongo, non, pas à Kinshasa. Toute la famille avait déplacé pour le Bakongo.
il y avait un missionnaire sud-africain. À cette époque-là, on ne savait pas qu'il était sud-africain, on croyait qu'il était américain. Okay. C'est quand je suis venu en Afrique du Sud que j'ai appris qu'il était sud-africain. Il était responsable du Jesus Alive Ministry. Ils sont encore jusque-là. Et il y avait un type qui chantait Trevor Sampson. Okay. Et le frère John Bajani, dans son concert, il a juste chanté avec lui. Okay. Et quand ils sont venus au Bas-Congo, ils ont fait des grandes croisades dans tous les stades du Congo. Ils ont commencé à Bas-Congo, à Mwanda, nous étions précisément à Mwanda. Ils sont partis à Tchela, ils sont partis à Boma, ils sont partis à Matadi, ils sont partis à Banzangungu, à Kwilungongo, ils sont venus à Kinshasa. À Kinshasa, ils ont fait au stade Tata Raphaël. Okay. Et quand ils sont venus, ils avaient besoin de musiciens qui ont de l'impact pour chanter dans la campagne. Okay. Et à cette époque-là, Fanny Naf, le musicien de Mwanda qui avait de l'impact, c'était nous, c'était notre groupe. C'était nous, le frère Patrice, le frère Mété, à cette époque-là. Mm. Je ne sais même pas si vous avez rappelé l'époque. Voilà. Donc le frère Mété, le frère Patrice, on a partagé le même podium avec le frère Patrice à cette époque-là. Ces gens-là sont venus et le pasteur de notre église, le pasteur Chumoa, c'est lui qui nous a... On l'avait aussi associé à cette manifestation et il nous a proposé de chanter. C'était pour ma première fois de chanter au stade en 1996. J'ai chanté au stade. C'était la plus grande peur de ma vie. Tu vois les stades, la lampe, tous les instruments électriques. C'était ma première fois de toucher une guitare électrique. Et après ce jour-là, j'étais jeune, mais j'ai senti que non, il y a quelque chose ici. Ces blancs-là, Peter Petrius, il nous a demandé, il a demandé à ma mère s'il pourrait nous prendre, nous amener avec lui, sweeper, nous introduire dans la vie musicale. Ma mère ne pouvait pas se décider d'elle-même, elle a appelé notre père. Mon père était vraiment très difficile, il ne l'a pas permis. Et ils nous ont dit, ils n'ont pas beaucoup à nous donner. Ce qu'ils pourraient nous donner comme cadeau, c'était nous amener ici. Nous, à cette époque-là, on croyait que c'était les États-Unis, parce qu'ils étaient blancs et ils parlaient anglais. Ils ont dit, les plus grands cadeaux qu'ils peuvent nous donner, c'est nous amener ici, parce qu'ici, il y a une plateforme où les musiciens peuvent évoluer. Et mon arrivée même en Afrique du Sud, c'est quand j'ai appris ça, j'ai compris que c'est Dieu qui a peut-être voulu que je vienne ici. Et c'est à cette époque-là que mon père a refusé. Mais après quoi, ils ont dit, si le père a refusé, on ne peut pas le prendre par force. Ce qu'on doit faire, on doit quand même payer de l'argent à un studio, de la place, comme ça, qu'ils enregistrent quand même un album. C'est en 1997 qu'on a enregistré notre premier album. C'était au studio Sango Malamu avec le frère Joël Mbumba. Un album qui a été travaillé bien et fini. Et c'est après que le studio Sango Malamu, à cette époque-là, on n'avait pas les niveaux de studio comme ça, c'était analogique. Et quand les studios ont été brûlés, les studios Sango Malamu, je ne sais pas si vous savez cette histoire-là, les studios Sango Malamu ont été brûlés, c'est alors que tous nos données ont été disparues. Ce sont ces mal des combats spirituels qu'on a eus. C'est à l'époque où Bébé Souz a été sorti. C'est cette époque-là qu'on a enregistré l'album. Et ils ont vraiment voulu prendre cette occasion-là pour faire une compétition d'une jeune fille qui est sortie et des jeunes garçons qui sont en train de chanter. Mais ça n'avait pas tenu, l'album n'était pas sorti, mais jusqu'à là, on a des extraits de l'album. C'est à partir de là que ça nous avait donné le courage de dire que non, on peut faire la musique. Parce qu'on a joué au stade de Mwanda, on a joué au stade de Tchela, au stade de Banzangungu, des stades de Boma, de Matadi, de Kulungongo. On a joué au stade Tata Raphaël en 1996 et 97. Donc à partir de là, la peur était partie. On savait maintenant qu'on est musicien parce qu'on pourrait rencontrer des gens comme Couple Bouloba. J'ai dîné avec Couple Bouloba. On a rencontré des gens comme Rino Vumbi, Joël Mbumba, Aimé Kanou à cette époque-là. C'est à partir de là qu'on a su que non, nous faisons la musique. Ok, le frère Luther, à cette époque-là, Obanda Oyemba déjà, vous connaissiez déjà que vous étiez un musicien, parce que Oyemba Kiboye, Nastat Boye, Nastat Boye, Nastat Boye. Mais à cette époque-là, est-ce que vous connaissiez déjà Dieu? Ou bien Obanda, ça n'a pas par sentiment, parce que vous aviez la musique dans le sang, pour Monique, non, et puis ça n'a pas bien, sur Toyembi et Simba, Toyemba Kaka. Ou bien c'est parce que vous connaissiez Dieu, vous êtes conscient, et Makambo Obanda, ça. La connaissance de Dieu, ce n'est pas une chose facile. Ce n'est pas une blague. La connaissance de Dieu commence par la conscience d'abord. Je n'étais pas conscient. Je n'étais pas mature. Mais je suis né d'une famille chrétienne où mon père était pasteur. Je connaissais qu'il faut partir à l'église. Je connaissais, comme tout autre humain, qu'il ne faut pas fumer, il ne faut pas prendre la bière, parce que je n'ai jamais fumé toute ma vie. Je n'ai jamais pris la bière toute ma vie.
C'était des notions morales que tout le monde a. Mm-hmm. Mais ça n'a rien à voir avec connaître Dieu. Mm-hmm. Ça n'a rien à voir avec connaître Dieu. Mais quand même, je savais que je suis d'une famille chrétienne. Mm-hmm. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire par l'éducation de mes parents. Mm-hmm. Mais ce n'était pas parce que j'étais chrétien que je le faisais. Mm-hmm. C'était juste un plaisir musical. C'était venir devant les gens et chanter. Ça n'avait rien à voir avec la chrétienté. Et quand est-ce que vous aviez pris cette conscience, comme je peux le dire, aux gens qui conscience ou en aïeux, maintenant là je suis en train de faire le travail de Dieu. Quand est-ce que ça a commencé ou quand est-ce que vous aviez connu Dieu? Si j'ai encore bonne mémoire, ça doit être 2005. Ok. Quand je suis arrivé à l'ASECA, mm-hmm. Je suis venu à l'ASECA comme musicien. Comment je suis venu à l'ASECA? Il y avait ma soeur on avait des problèmes de famille. Et ils sont venus à l'ASECA avant nous, celle qui est mariée au prophète Daniel. Mm-hmm. Ils sont venus avant nous. Et ils ont commencé à prier. Après quoi, ils nous ont amenés là, mm-hmm. moi et mon frère David. Mm-hmm. David est plus grand que moi. Lui, quand même, il était déjà dans la vie chrétienne. Mm-hmm. Ils ont commencé. Tellement qu'on avait ce temps-là de musique. Mm-hmm. Il m'a dit qu'on commence un groupe. Mm-hmm. Qu'on a commencé un groupe je n'étais pas vraiment, je peux dire, je n'étais pas vraiment chrétien. Mm-hmm. Je venais chanter à l'église. Je n'étais même pas attaché à des histoires de l'église. Je venais là, je chante. Après quoi, je pars à la maison. C'était la musique, on faisait tout là. Hein. C'est en 2005 quand le pasteur Vincent nous a demandé de joindre vraiment l'église. Entièrement, entrer à l'intercession, tout ça, avec des conseils, parce qu'on était devenus un peu plus proches avec lui, parce qu'on avait un peu, on a des relations biologiques et tout ça. Mm-hmm. On partait chez lui à la maison et tout, et puis c'est alors qu'il nous a introduit à l'intercession. Quand je me suis donné à la vie des prières, mm-hmm. c'est alors que j'ai senti que non, il faut que je combine ces talents avec la prière, avec la voix de Dieu. Mm-hmm. Et c'est en 2005 que je me suis décidé de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mm-hmm. Et j'ai été baptisé d'eau et voilà, c'est alors que ça a commencé. Et frère Luther, pourquoi avant que tu reçoives Dieu comme ton Seigneur et Sauveur, tant qu'on va danser à la musique, caca, pour un plaisir, juste le faire, pourquoi pas au Kenel, le peu de musique profane? Pour moi, je suis un peu de la famille chrétienne, avec toute cette morale, mais à un certain âge, à découvrir que non, la musique profane, on peut y foutre. Tellement que j'ai la musique dans le sang, je peux le faire. Donc, ok, non, un peu de la musique profane, ça va me procurer de l'argent. Pourquoi pas au Kenel, la musique profane? Et là, on est celle qui est au rester toujours la musique chrétienne. Vraiment, c'est une bonne question. Que Dieu soit béni parce que le destin est entre les mains de Dieu. Mmh. Ma vie, si ce n'était pas Dieu, je ne sais pas. Mmh. Vraiment, en sixième des humanités, mmh. Tous les amis de l'école savaient. Mmh. Parce qu'il s'est avéué que je me suis introduit trop dans les instruments mmh. que dans la voix. C'est pourquoi beaucoup de gens me connaissent guitariste, mmh. beaucoup de gens me connaissent chanteur. Mais j'étais beaucoup connu parce que j'étais devenu vraiment amoureux de la guitare. Je veux rester là à l'école, tous les gens vont m'entourer, je tiens ma guitare, je joue, les gens dansent et tout. Mm-hmm. Et tous mes amis savaient que j'étais musicien, je faisais la musique. Il est arrivé à un certain moment que mes amis à moi, à l'époque où Héritier a joint le groupe Wenge Maison Mère, mm-hmm. mes amis à moi, parce qu'Héritier habitait Lemba et tout, j'habitais aussi Lemba, mm-hmm. les amis à moi m'ont dit, va faire un test. Je me rappelle, je m'apprêtais même à aller faire les tests à la Zamba Playa et tout ça. Mon cœur a refusé. Pas parce que j'étais chrétien, pas parce que mon père, à cette époque-là, j'étais même plus encore chez mon père. Mon cœur a refusé. C'est alors que j'ai compris que j'appartenais à Dieu. Si tu appartiens à Dieu, c'est difficile. Même si Dieu ne t'a pas encore appelé, il va te conduire vers quand, comme la Bible dit qu'il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Mm-hmm. Dieu va te conduire dans les sentiers de la justice, même si tu ne le veux pas. Mm-hmm. Et à cette époque-là, je ne savais rien, mais Dieu m'avait conduit dans les sentiers de la justice, parce qu'à cette époque-là, si j'essayais seulement d'entrer maison mère, peut-être ça serait difficile pour moi d'être ce que je suis aujourd'hui. Vraiment, vraiment. J'ai été tenté une fois de faire mm-hmm. la musique profane. Mm-hmm.
Mais ça n'a pas marché, vraiment. Et revenons à ce sujet, vous aviez dit que vous êtes chrétien musicien, énorme musicien chrétien. Nous pouvons savoir la différence entre chrétien musicien et musicien chrétien. Wera, c'est un musicien. Moi, je suis un musicien. La différence entre moi et Wera, c'est que moi, je suis chrétien, c'est ça. Non, Wera peut se dire aussi chrétien. Parce que tout le monde se dit chrétien. Tout le monde peut sortir d'une maison. Bon, non, non, chrétien. Je prie, je suis chrétien. Mais non, qu'est-ce qui fait vraiment que cette différence soit entre un chrétien musicien et un musicien chrétien? Ok, je ne sais pas comment tu prends ça. Tout le monde ne peut pas se dire chrétien. La chrétienté, ce n'est pas quelque chose qu'on peut témoigner. On peut dire qu'on est religieux. Mm-hmm. On peut être religieux, mm-hmm. mais être chrétien, c'est une autre chose. Mm-hmm. Être chrétien, c'est une personne qui a accepté de donner sa vie à Jésus. Est-ce que Wera, quand il s'est dit chrétien, il a accepté de donner sa vie à Jésus? Il peut le dire. Il oui, peut se dire, j'ai accepté Jésus-Christ comme mon sauveur et Seigneur, je vais à l'église, je paye ma dîme, je fais tout ce que les chrétiens font. Et qu'est-ce qui fait qu'il ne soit pas un musicien chrétien, un chrétien musicien, disons? S'il croit, ok, ça c'est la première partie. D'abord, la croyance de toi, même dire que j'appartiens à Jésus et je sers Jésus. La croyance de toi appartenir à Jésus, ce n'est pas un témoignage vulgaire que tu te tiens et tu dis j'appartiens à Jésus. Ce sont les actes, les œuvres que tu fais. Tu comprends? Parce que la Bible dit, on le reconnaîtra par leurs œuvres. Tu vois? Et la deuxième chose, on dit que je suis chrétien musicien parce que je sers de la musique comme un support pour transmettre le message de Dieu. Tu vois? Je ne chante pas ce que Wera chante. Je ne chante pas ce que Fali chante. Je chante les messages de mon maître. Chacun de nous a un maître. Quand tu chantes, je peux chanter l'amour. Je chante l'amour de Jésus, qui est différent de l'amour que Fali chante. Marvin Sapp a dit dans une chanson quand Michel a chanté, ils ont chanté sur l'amour. Il a dit, l'amour que je parle, je ne parle pas de l'amour que l'homme donne à la femme. Je ne parle pas de l'amour que le monde parle. Je parle de l'amour de Dieu. Tu comprends? On peut tous chanter l'amour, mais l'amour est différent. Je parle de l'amour de Dieu. Pour moi, je suis chrétien musicien parce que je sers de la musique comme un support pour transmettre les messages de ma chrétienté. Vraiment. C'est ça un peu la différence. Il utilise la musique pour transmettre le message, donc veut dire l'évangile à tout le peuple. C'est ça. Mais au bain, il y a un chrétien qui a fallu, il y a en pleine caméra. Donc, au bain, il y j'ai toujours dit, si j'étais fallu, j'allais servir Dieu. Vraiment. C'est un type que j'aime beaucoup. Vous savez, les musiciens profanes, là, ils ont un talent. La Bible dit tout don parfait et toute grâce excellente vient du Père d'en haut. Le diable n'a jamais créé un don. Le diable s'accapare de dons que Dieu a donnés aux gens pour les détourner. C'est tous ces gens-là possèdent les dons de mon Dieu. Mais ils ne savent pas jusque-là. Ils sont dans l'ignorance. Je prie Dieu pour vous. Pour faillir. Vraiment, ils prient Dieu pour vous. Donc, je vous fais l'émission. Si c'est vrai, ils peuvent comprendre un jour. Soit la parole à la télévision, un jour, ils vont comprendre. Pas comprendre dans les soucis à Frère Luther et Isaac. Ils vont comprendre que tout temps vient de Dieu. Donc, il a bien été. Vraiment. Frère Luther. Toujours dans la question, moi, qu'est-ce qui a fait maintenant que Okoma a, parce que la première fois ça n'a pas marché. C'est que et comment des nini, la carte à musique, et comment donc évoluer bien au Congo et puis subitement tu te retrouves ici en Afrique du Sud. Il y a vraiment au Congo, j'étais au point de relancer mon album. Nous avons cette crise là de soutien. Nous avons vraiment cette crise là de soutien. Il y a pas de sponsor. Des fois il faut que tu fasses ça. Je ne voudrais pas exposer toute ma vie, parce que je ne suis pas ici pour parler de ma vie. C'est ça. Mais on a traversé des moments où il fallait faire face à certaines réalités de la vie et en même temps poursuivre la carrière musicale. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que la carrière musicale, ce n'est pas comme le footballeur. Tu viens là, tu joues un ballon et puis si tu marques le but et puis tu vois, la carrière musicale, il faut investir de l'argent, tout ça. On n'avait pas de soutien, on a essayé et ça n'a pas vraiment marché. Ok, et ça n'a pas marché, mais l'éternel Dieu a fait, j'ai enregistré un album qui était fini, mais en tant qu'artiste moi-même,
les studios que j'avais travaillé n'étaient pas un bon studio, comparé au son que les gens avaient relancé, parce que je connais aussi quelques notions par rapport au son. Je n'avais pas moi-même aimé les sons. J'avais dit pour moi me présenter devant les gens par rapport au niveau que les gens me connaissent, me présenter avec un son comme ça, non, ça ne va pas. Parce que la musique, c'est l'art de combiner le son d'une manière agréable. Si le son n'est pas bon dans la musique, je fais vraiment très attention when it comes to sound. Les sons, l'arrangement, les beats, tout, parce que je connais la musique, j'ai travaillé avec les autres, je ne pourrais pas vraiment me présenter avec cet album-là. Je préfère les garder. Et je ne suis pas venu ici pour la musique, en Afrique du Sud. Tout allait bien, on travaillait au Congo et puis tout. Mais Dieu a fait grâce, c'est le pasteur Vincent qui m'a appelé. Il m'a appelé et il a dit si je pourrais venir en Afrique du Sud, aider les amis avec la musique. Et c'est mon père à moi, je lui ai respecté. J'ai laissé tout ce que je faisais au Congo. J'ai laissé ma famille. Je suis venu ici pour faire l'œuvre de Dieu. Et voilà ici. Et puis quand vous êtes arrivé, vous avez trouvé que le terrain était un peu facile pour vous ou bien beaucoup d'années sous l'obstacle, Missus? Ok, l'Afrique du Sud, c'est pas un terrain facile. C'est pas aussi un terrain difficile. C'est un terrain où tu dois disposer ton temps. Il y a beaucoup d'opportunités, mais tu dois disposer ton temps. Nous sommes en train de parcourir un moment où il faut faire face aux responsabilités. Nous avons grandi. Jusque-là, on n'est pas en train de dépendre de qui que ce soit. Il faut faire face à des responsabilités. Mais il faut aussi savoir disposer des temps pour la musique. Quand je suis arrivé ici, les musiciens de la place m'ont bien reçu. J'étais un peu connu au Congo, et certains amis qui étaient ici, quand je suis venu, tout le monde savait que Luther est ici. Luther est là. J'étais un peu busy déjà depuis quand j'étais venu. Je vais jouer avec celui-ci, je vais chanter avec celui-ci. Il y a à peu près 4 albums de certains frères ici que j'ai mis des chansons là-bas. J'écris une chanson, je mets là-bas, je chante, j'ai l'air dans. J'écris une chanson, je mets là-bas. Je jouais des instruments dans les chansons, dans des albums de beaucoup de gens. Et j'étais là, les bien-aimés m'ont bien reçu. Mais il fallait maintenant disposer un temps pour s'établir, parce que je suis ici dans un pays étranger. Il faut s'établir et puis voir comment est-ce qu'il faut relancer la musique. On compte déjà 5 ans et on a déjà un album qui est en cours. Quand même aujourd'hui, on peut dire qu'on n'est pas vraiment très stable, mais on est quand même posé. Maintenant, on peut relancer la musique. Donc maintenant, vous vous sentez prêt de sortir votre album? L'album est déjà en cours. On est en studio en Ontario. On peut déjà connaître le titre de l'album. Le titre de l'album, c'est Monganga Milimo. Ok. Monganga Milimo tiré de. Le docteur des âmes. Pourquoi seulement Monganga Milimo? Parce qu'il y a plein de titres. Batmobimisakaka. Et pourquoi seulement Monganga Milimo? Monganga Milimo, parce que c'est l'inspiration que Dieu m'a donnée. Il n'y a que Dieu qui peut être le docteur des âmes. Ok. Tu peux traiter mon corps. When it comes to the soul or the spirit of the man, only God can deal with it. Et vous croyez que votre Monganga Milimo est différent des autres? Parce qu'il y en a eu déjà. Parce que Monganga Milimo, ça se répète. En fait, il y a déjà eu ce titre avant. C'est que tu crois que peut-être ce titre, c'est Dieu et le docteur des âmes. Ils sont différents. Peut-être il y a frère Moussoua Yemba qui ont d'une certaine manière. Quel frère qui a déjà chanté ça? Je ne cite pas le nom, j'ai seulement dit que parce que... Et ce n'est pas, vous n'êtes pas le premier à sortir ce titre, par exemple, ou à faire parvenir aux gens ce message que Dieu est le docteur des âmes. Il y en a eu avant, au Pébalébaïbisakibatouke, non, Dieu, il est le seul docteur des âmes et tout, et tout, et tout. Et vous croyez que peut-être le vôtre est différent? Je ne sais pas. Jusque-là, je suis dans la carrière musicale pendant un long moment, j'ai dit 22 ans. Wow. Je parle de 22 ans de musique. Et jusque-là, je ne sais pas avoir écouté quelqu'un parler de Monganga Milimo. Les gens ont parlé que Dieu est le seul, les pasteurs l'ont prêché, les musiciens l'ont chanté, que Dieu est le seul qui peut guérir les âmes et tout ça. Mais un album sorti avec le titre Monganga Milimo, je ne sais pas. Même si quelqu'un l'a déjà fait, nous sommes là pour faire une complémentarité. Peut-être où il s'est limité, c'est où je veux continuer. Ok. Donc, je crois que ça n'a rien à voir avec une compétition, je crois. Je ne suis pas en train de faire... Je ne veux pas faire quelque chose,
que personne n'a déjà fait. Parce que même la Bible le dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est ça. Donc, peut-être si quelqu'un l'a fait, gloire à Dieu. Peut-être nous voulons continuer la pensée d'une personne, mais je ne me rappelle pas toucher la pensée d'une personne. Mais si quelqu'un l'a déjà fait, gloire à Dieu. Gloire à Dieu s'il l'a déjà fait. Peut-être nous allons continuer avec cette pensée-là. Mais peut-être comme tu es journaliste, et les journalistes sont toujours des songis, ils connaissent mieux que nous. Peut-être tu peux Google ça, tu me donnes ça. Comme ça, je veux voir où il s'est limité, on va continuer. Vraiment. Mais jusque-là, c'est vraiment une pensée fraîche que Dieu ne m'a même pas donnée ici. C'est une chanson que j'ai écrite 12 ans passés. Je parle de 12 ans passés. Ok. Voilà. Vraiment. Et c'est un album à combien de titres? Oh mon Dieu. J'avais déjà enregistré un album de 10 titres. Maintenant, j'ajoute encore 6 titres. Seigneur Jésus. Je vous dis. Donc, au bon moment, ici, là. Donc, non, je ne veux pas faire des concerts. Je ne veux pas faire un concert où je vais chanter une chanson populaire. Ok. Donc, je vais faire un concert où tu chantes tes chansons du début à la fin. Jusqu'à la fin. Voilà, toi, Banda, nous venons dans ton yo, caca, yo, na yo. Par la grâce de Dieu. Vraiment. Et vous pensez peut-être que cause aussi combien de temps pour l'album Mwane Ebima vraiment sur le marché? J'ai eu un problème avec mon ingénieur. Il avait un problème avec son studio. Mais on travaille maintenant avec un autre ingénieur. C'est l'année prochaine. Okay. Si Dieu le veut, par la grâce de Dieu, peut-être avril, mai. Ok. Peut-être en avril ou mai, déjà, tu as un album sur le marché. Et avant de finir, parce que nous sommes déjà presque à la fin, il y a une question qui me montait, parce que, bon, toi, bah, journaliste, des fois, on fait un tour sur Facebook, des fois, on fait un tour sur Internet. Tu m'as dit que ces derniers temps, je ne sais pas si ça a commencé ici, ou bien, Ezaki, depuis quand là, mais tu m'as dit sur Facebook, on a environ docteur Martin Luther King, et puis je sais pas, il y a un truc du genre centre charismatique, le renouveau. Je sais pas, musique, et comme pour un musicien, Mingi Bazaka, soit bandit la musique, et à moi, à Katia, comme pasteur, ou bien il y a pour bouler que non, musique en haut, bon. Nakoli, j'ai fait 22 ans de carrière quand même, c'est trop. Nako katananga na ko na bana continuer na comme nanga pasteur que je commence à faire à comment que je commence à prêcher na tika nanga mamba musique ngo bien c'est comment. Vraiment. Je voudrais je sais pas si on a le temps, je voudrais donner un briefing sur cette pensée-là, c'est quelque chose de très sérieux. Que on ne veut pas s'amuser là-dessus. Quand je suis né, d'abord, quand je suis né, mon nom c'est Martin Luther King. Tu connais qui est Martin Luther King? Ça c'est le nom que mon père m'a donné. Et mon nom, là c'est mon prénom, mon nom c'est Kadima. Kadima c'était un pasteur, que je suis homo. Ce pasteur là, c'est lui qui a encadré le couple de mon père et ma mère. Quand il est mort, c'est alors qu'à chaque fois que ma mère était enceinte de moi, elle rêvait de ses pasteurs, le pasteur lui disait que je reviendrai. Je reviendrai. Et les gens ne comprenaient pas. Et quand ma mère a enfanté un enfant mâle, vous savez qu'au Congo, on a beaucoup des histoires de la sorcellerie et tout. Ces gens connus comme sorciers de ma famille ont dit que ma mère a enfanté un pasteur. Donc vous êtes genre une réincarnation d'un pasteur. Je ne sais pas. Je n'ai jamais voulu être un pasteur. Et si même si on me le disait des lettres, demain, je ne veux pas. C'est quelque chose comme la musique a commencé à moi. Et c'est comme ça que j'ai découvert que j'avais un ministère en moi. Je l'ai découvert à la Secret Changeur, c'est alors qu'on avait une prière des intercesseurs et tout ça. Je ne savais même pas quel ministère je portais. C'est alors qu'une prophétesse qui me donnera une prophétie pour me dire que nous voyons le frère qui est là, c'est un docteur. Ah, je dis, docteur comment? Nous voyons les gens venir vers toi, tu parles à ces gens-là et les gens sont guéris. Et c'est après que par l'aide des hommes de Dieu qui ont de l'expérience dans le ministère, qui m'ont amené dans le ministère, j'ai commencé à servir Dieu. C'est alors qu'on a découvert ça. La vision du centre charismatique Le Renouveau, je l'ai reçue quand j'étais à Lubumbashi en train de venir ici. Je suis allé à la montagne en train de prier à Dieu pour que Dieu me dise pourquoi mon voyage ne tient pas. Si c'est possible, je peux rentrer au Congo. C'est alors que Dieu va me parler du centre charismatique Le Renouveau. Après, si on aura le temps, on pourrait venir ici parler sur le centre charismatique. Je ne voulais pas parler dessus, trop dessus maintenant, mais si tu voudras encore, je pourrais revenir et parler là-dessus. Mais c'est une vision que Dieu nous a donnée, je ne veux pas en parler maintenant. Je ne fais pas comme d'autres personnes qui sont musiciens et qui deviennent
pasteur, tout ça, je ne le fais pas parce que les autres l'ont fait. Je le fais parce que c'est en moi. Et invitez-moi dans votre église, je veux venir prêcher et vous allez comprendre que je ne suis pas en train de faire une blague. Vraiment. Ouais. C'est le frère Luther. Voilà, nous tendons déjà vers la fin de notre émission. L'équipe technique et autres ont la pression déjà, donc on doit finir. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour que Toka Buana, pour qu'on se sépare? Je sais que je ne peux pas dire le mot de la fin parce qu'on a encore trop à se dire. Aussi l'issinante, donc vous allez encore revenir. Et l'équipe belée. Donc pour aujourd'hui, Potosi Salelo, qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ceux qui vous suivent? Merci, très chers téléspectateurs. Vraiment, c'est une grâce pour nous d'être des instruments majeurs de la propagation de l'action de la croix qui triomphe. Mm-hmm. Ça, c'est une manifestation qui vient bientôt là, Impact. Mm-hmm. On va aussi en parler, on va revenir sur le plateau pour en parler. Okay. Mais je vous salue tous. L'album Monganga Minimo vient, le Docteur des Arts, The Doctor of Souls, vient bientôt, dans vos maisons, dans vos voitures, partout. Et le Centre Charismatique de Renouveau va vous rejoindre bientôt au Canada. Sera là. Que Dieu vous bénisse. C'était un grand plaisir pour moi. Un grand plaisir pour moi de passer à cette émission. C'est quoi le Together We Sing. Together We Sing. Mm-hmm. Je bénis Dieu pour tout. Que les bénédictions de Dieu soient dans vos maisons. Que le docteur des âmes guérisse vos âmes. Vraiment, que le docteur des âmes guérisse vos âmes, comme le frère Luther vient de le dire, c'est lui seul qui est le docteur de nos âmes. Et merci beaucoup au frère Luther d'avoir répondu à notre invitation. C'était vraiment un grand plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Je crois que le peuple de Dieu, les téléspectateurs derrière derrière la caméra, je peux dire, devant vos petits écrans, Bozala qui est vraiment satisfait à 100%, mais quand même à 80%, Namakamnios, frère Luther Alubi. Ce n'est pas une dernière fois, comme on vient de le dire, il sera encore là pour nous parler en profondeur de lui. Merci beaucoup. Quant à moi, on se retrouve la semaine prochaine sur la même chaîne et à la même heure. Je profite. Avabaka Nelanga. Je dois saluer, je dois dire merci aux gens qui étaient à l'équipe technique. Je dis merci à Samuel Mukuna, je dis merci à Deborah Chitamba, merci à Sarah Luzolo Connor, merci à Peniel Kadima, merci à Basile Kanda, merci à Mamadou, merci à toute l'équipe technique et on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup. Bye bye.